Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine non loin de la Haute-Saône, dans un village de quelques 135 habitants, direction Martinvel, où nous rencontrerons Mathieu et Salomé Grand-Claude, brasseurs dans la commune depuis un an. Ils ont racheté l'ancienne usine Janel, cette manufacture de matériel agricole, pour la réhabiliter. Découverte également d'un lieu qui abrite de nombreux trésors, des objets trouvés et collectés, incarnant le passé du village et des alentours. Martinvel, jadis, c'est le nom de ce musée. Daniel Aubertin nous en parlera. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Monique Roche. Vous êtes maire de cette commune depuis 2015. Alors, c'était suite à une démission, un mandat en cours. Et vous avez poursuivi en 2020. C'est que c'est une fonction qui vous plaît ? Normalement, oui, puisque j'y suis. Et je me maintiens encore dans la fonction. C'est la relation avec les habitants, la relation avec les élus, avec les grands élus également. Voilà. Alors, vous êtes tombée amoureuse de ce village, oui. Parce que vous n'êtes pas originaire des Vosges à la base. Pas du tout. Mais ça fait quand même plusieurs années, longtemps que vous êtes là maintenant. Voilà, depuis 1990, j'habite Martinvel. Et précédemment, donc, je venais ici à Martinvel depuis 1970. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici, qu'on a envie de s'installer à Martinvel ? Bien, le calme. Une certaine douceur de vivre par le contexte actuel avec les habitants, etc. On est quand même privilégié par rapport à, même ne serait-ce que les bourgs proches. Hein. Alors vous êtes à la frontière avec la Haute-Saône, est-ce que les personnes qui sont dans le village, les actifs, parce qu'il reste encore des actifs dans ce village, est-ce que majoritairement ils travaillent en Haute-Saône ? Quelques personnes travaillent à la verrie, puisque donc c'est à quelques kilomètres de chez nous. Autrement, mais ce sont des gens qui travaillent sur Montureux, d'autres sur Darnay, certains même sur Épinal, donc il y a toujours cette mobilité, Contrex, etc. Et donc, majoritairement vieillissant, pas forcément. Comment non, pas forcément, parce qu'on a plein de bébés. Ah, c'est une bonne chose. On a plein de bébés, on a des enfants qui vont au lycée, qui vont au collège. Non, il n'y a pas. Il y a une mixité, un rajeunissement de la population. Qui est important dans les villages aujourd'hui la ruralité pour... Oui. C'est très, très important parce que il faut qu'il y ait une succession aux petits vieux. Et alors, il y a cette brasserie, cette microbrasserie qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est important aussi, ça redynamise, ça donne une nouvelle... Ça donne un apport, ça fait connaître déjà un peu plus Martinvel, parce qu'on est quand même au bout des Vosges. Limite 2 km avec la Haute-Saône. C'est l'entrée des Vosges, donc ça donne un plus, à mon avis. D'autres choses qui sont importantes dans un village, on en parle, c'est les associations. Donc Martinvel jadis, l'association qui restaure le passé, ou en tout cas qui conserve le passé, et puis une autre association. On a une association, donc c'est Martini Villa, qui est l'association du village, qui a plus de 20 ans, qui dépend des foyers ruraux. Nous avons une fois par semaine de la gymnastique. Ensuite, vous avez tout un programme de festivités. Au mois de juillet, les 6 et 7 juillet, donc on fait la fête du village, donc avec des animations, des feux d'artifice, le samedi soir, exposition de tracteurs, tout un tas de choses qui redynamisent. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Martinvel ? Mais oui ! Pourquoi ça n'irait pas ? C'est vrai, pourquoi ça n'irait pas ? Écoutez, regardez, le calme, le soleil, tout va bien. Et on va terminer sur les projets. Monique, un projet, la réhabilitation, le réaménagement des films. Alors, on a fait, cette année, on est en train de terminer le réaménagement du cimetière jusqu'à la Grande Rue. Ça fait quand même 4 ans que ce projet commence sur les rails. Par contre, ce qu'on remercie, c'est les aides du conseil départemental, de la région, des différents organismes qui nous ont aidés tant pour arriver à aboutir à ce projet que financièrement. Donc de ce côté-là, on est quand même assez gâtés parce qu'autrement, financièrement, on n'y arriverait pas. Puisque nos revenus à nous, c'est le bois. Après, le bois... Ça représente une grosse partie aujourd'hui à Martinvel ? Ça dépend des années. Il y a des années avec et il y a des années... Voilà. Donc là, on devrait bientôt être au bout de ce projet. Et après, est-ce qu'il y a d'autres envies ? Pour l'instant, ce qui nous prend beaucoup d'argent sur notre budget, c'est l'entretien des routes. Voilà. Qui sont de plus en plus à notre charge, puisqu'on a de moins en moins de subventions sur les routes. Mais écoutez, merci beaucoup, Monique, de nous avoir accueillis à Martinvel. Nous partons maintenant rencontrer Mathieu Grand-Claude. Mathieu et Salomé Grand-Claude, brasseurs depuis près d'un an à Martinvel, ont racheté l'ancienne usine Janel. Leur objectif, transformer les bâtiments en brasserie et en guinguette.
Mathieu, merci de nous accueillir à Martinvel. On est devant l'usine Janel, l'ancienne usine Janel. On va parler de des projets juste après, mais dites-nous avant vos débuts dans la brasserie. Il y a à peu près un an, pourquoi la brasserie ? Alors, pourquoi la brasserie ? C'est une histoire un peu anecdotique. Comme beaucoup de personnes pendant le Covid, on s'est posé des questions sur le sens de notre vie. Et Salomé, qui est ma femme, et moi-même avons décidé, donc pendant les confinements, d'ouvrir une brasserie pour changer de vie. Alors, tout doucement, le Covid se tarissant, on a commencé à regarder les bâtiments et on est tombé sur un grand site d'annonces pour particuliers, cette façade, pour laquelle nous avons eu un coup de foudre immédiat et nous avons immédiatement vu notre future brasserie. Donc l'ancienne usine Janel, hein, du matériel agricole principalement ici, c'était ça ? Au tout début de l'ère industrielle, début 20e, les frères Janel ont démarré cette usine afin de développer tout type d'engins agricoles tractés par bœufs ou chevaux, donc allant de la moissonneuse, batteuse, charrue, etc. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu le déclic du tracteur et ils se sont fait dépasser, ce qui a mené à un terme prématuré à l'usine. Donc vous avez racheté ce bâtiment qui va devenir donc la future brasserie, puisqu'actuellement vous brassez chez vous, c'est ça ? Forcément, vu l'étendue des travaux, notamment avec les travaux de toiture qui ont été entrepris l'année dernière, et la hausse du coût des matériaux, nous nous sommes posé la question de démarrer la brasserie. Donc en parallèle de notre activité salariée, pour y investir l'intégralité de la recette et ainsi pouvoir avancer plus vite sur nos travaux. Donc ça fait à peu près un an, un peu moins d'un an que vous brassez maintenant. C'est ça, on a ouvert à la fête patronale début juillet l'an dernier. Et qu'est-ce que vous brassez alors, quel type de bière ? Idéalement, comme on est un peu créatif, on ne voulait pas se fixer de gamme permanente et uniquement faire des brassins éphémères. Les clients ont choisi pour nous, ils nous ont demandé une blonde particulière encore et encore. Donc on a une gamme permanente qui se limite à une bière et toutes les autres bières de la gamme, à savoir 2 à 3 par mois, sont des bières éphémères faites en fonction de l'humeur du brasseur. Et en quelle quantité alors ? Ça reste encore des petites quantités ? Alors oui, pour l'instant, nous avons une unité de brassage de 150 litres. Ce qui est tout petit. Par contre, en brassant de façon un peu plus intelligente, on est capable de faire 3 brassins dans une grosse journée de travail et donc remplir un fermenteur de 500 litres. Ce qui laisse déjà une belle possibilité en tout cas de production. Ah bah oui, tout à fait. Surtout dans un petit local comme le local actuel. Alors on parle beaucoup de l'émergence du marché de la microbrasserie, dans les Vosges surtout, alors peut-être moins dans l'Ouest ou en tout cas dans la Plaine. Est-ce que ça ne vous a pas effrayé au départ ? Effrayé, non, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de consommateurs de bière qu'il y a 20 ans. Les consommateurs actuels sont aussi beaucoup plus adeptes de changements, de nouvelles bières de terroir et délaissent de plus en plus les bières industrielles. L'idée, c'est d'abord ce bâtiment, donc d'abord la guinguette. Qui va être, le bâtiment à l'arrière qui va être réhabilité en guinguette, c'est ça ? Dans l'objectif de redynamiser un petit peu le village et de créer un peu d'attrait aussi touristique, les anciens bureaux qui sont localisés derrière l'usine, qui font à peu près 50 mètres carrés, sont en cours d'aménagement pour accueillir une guinguette qui va démarrer modestement cette année et qui au fil des années va se perfectionner encore et encore. Et après, donc, ce sera le moment d'attaquer vraiment le vif du sujet avec ce bâtiment-là, principalement. Voilà, oui. Donc, l'objectif, c'est courant d'année prochaine de pouvoir commencer la production dans ce bâtiment-là avec l'ancienne unité de brassage de Beer of No Nation, brasserie de Vittel, qui a malheureusement fermé fin d'année dernière et qui nous a permis d'acquérir son matériel de production. Donc l'idée des bâtiments, donc forcément plus spacieux, pour produire plus, accueillir aussi du monde, c'est quoi l'idée ? Alors accueillir du monde à la guinguette uniquement, dans l'usine probablement quelques visites, mais ça s'arrêtera là. Par contre, oui, pour augmenter l'unité de production, bien sûr. Avec l'idée que ça devienne une activité principale pour vous ? Alors, activité principale probablement pour ma femme, mais surtout essayer de créer de l'emploi et de redynamiser un petit peu nos villageois. Calendrier, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on espère en tout cas ? L'idée, c'est de pouvoir produire pour l'été prochain, donc on va dire au cours du printemps, fin du printemps de l'année prochaine, de pouvoir commencer la production de ce bâtiment. Merci beaucoup Mathieu pour votre accueil. Nous partons maintenant rencontrer l'association Martinvel Jadis. Ancien maire, Daniel Aubertin a décidé de collecter tout ce qu'il pouvait, incarnant le passé de Martinvel et des villages aux alentours. Le résultat de ses nombreuses recherches, c'est ce musée Martinvel Jadis. Daniel, merci de nous accueillir à Martinvel Jadis, dans ce hangar où se cachent de nombreux objets, plusieurs milliers, on va le voir dans quelques instants. Se souvenir du passé, ne pas laisser dépérir ces objets, c'était ça l'objectif principal de ce musée ?
Oui, ben l'objectif, effectivement, c'est de ne pas laisser tous ces objets partir à la ferraille, à la déchetterie, et conserver un peu la mémoire du passé, quoi, parce que ces objets, ils ont une âme, hein, ils l'ont vécu. Ce ne sont pas des objets qui sont éphémères comme aujourd'hui, où on achète et on jette 3 mois après, quoi. Alors où est-ce que vous avez trouvé tous ces objets? Déjà au départ dans les familles, ma belle-famille, ma famille, la famille de mon gendre avait beaucoup d'objets, ils récupéraient, ils mettaient de côté, on entassait, puis voilà comment ça s'est fait. Et puis après, donc, j'ai décidé de mettre en valeur dans ce bâtiment. Et aujourd'hui, on vous apporte encore des objets? Ah oui, on m'apporte beaucoup de choses, oui. Quels sont les objets qui reviennent le plus peut-être dans ce musée? Qu'est-ce qu'on trouve le plus? C'est difficile à dire parce que tous les corps de métier sont représentés, hein, que ce soit du menuisier jusqu'aux outils agricoles. Il y a beaucoup d'objets. Là, vous voyez, il y a toute une série de ce qu'on appelle les chignoles, les perceuses, pareil qu'on m'a apporté. C'est vraiment très, très vaste, on voit des tuiles, on voit du matériel agricole, on voit de la verrerie. L'idée, c'était vraiment d'avoir un panel assez large d'objets qui représentent le passé, l'histoire. C'est tout ce qu'on pouvait trouver dans les maisons. Et on voit aussi du matériel agricole de l'entreprise Janel. C'est important aussi de retracer le passé du village. Oui, la conservation des machines et des outils Janel, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup dans les granges. Donc là, il y en a quelques-unes avec les coupes racines, les concasseurs, il y a 2 charrues et une faneuse, tout ça qui date début du siècle dernier, qu'on va dire. Voilà. Parce qu'ici, les objets les plus anciens datent de quand? Alors c'est difficile à estimer, j'imagine. Alors le plus ancien, ça va être des clous d'époque romaine qui sont dans la vitrine. Voilà, donc là, c'est quasiment les plus anciens. Et les plus récents? Le plus récent, peut-être, alors, à côté de nous. Le plus récent, ça va être le tracteur de 1959, là, le F-135 McCormick. Et il y a toujours énormément de restauration, il y a beaucoup de travail quand vous récupérez ces objets. Il y a beaucoup de travail, oui. On restaure, Serge, mon gendre, restaure aussi énormément avec moi, donc maintenant qu'il est en retraite, donc il a le temps. Et c'est vrai que la restauration prend énormément de temps, hein, c'est sûr. Hein. J'imagine que tous les objets ont une histoire particulière, vous nous le disiez, ils ont une âme, ces objets. Mais est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose qui vous a marqué? Alors, on a là un tracteur qui a été fabriqué à Martinvel par une personne qui était tourneur-ajusteur à l'usine, justement, à l'usine Barbier. Et il a fabriqué ce tracteur-là pour aller chercher du foin pour ses lapins. Comme il était apiculteur, amateur, il transportait ses ruches également avec ce tracteur, qui était fait avec de la récupération, un essieu, un châssis de droite, de gauche et un moteur Bernard, les premiers moteurs Bernard, qui datent de 1922. Il y a beaucoup de recherches aussi derrière ces objets, parce qu'il y en a certains peut-être dont on ne connaît pas trop l'histoire. Oui, disons, il y a certains objets qu'effectivement, on ne sait pas à quoi ils servent. Donc maintenant avec Internet, c'est facile, on trouve facilement. Il y a des dictionnaires qui existent sur les objets anciens, sur les outils anciens, ou ainsi de suite, quoi. Et là, j'ai retrouvé dernièrement à quoi servait une petite machine qui fait du bruit. Et elle sert à quoi? Elle sert à imiter la mitraille dans les tranchées. Alors, c'est un musée qu'on peut venir découvrir, j'imagine. C'est ouvert donc le dimanche 30 juin, toute la journée, les journées du patrimoine toute la journée, et juillet, août, septembre, les dimanches après-midi de 15 à 19h. Merci beaucoup, Daniel, pour votre accueil en tout cas. C'est déjà la fin de notre émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était « Ça va chez vous » avec Vosgélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.